voiture électrique. Vous voyez? Mais c'est, ça fait combien de temps vous avez cette voiture? Ça fait combien de temps, avec tout le respect? Ça fait combien de temps? Ça va faire un an. Et c'est la première fois que ça fait ça? Alors non, le problème c'est que c'est très bien ces voitures pour Paris, c'est une utilisation urbaine. Oui. Le seul souci c'est qu'il n'y a pas assez de points de rechargement dans Paris et la preuve, vous voyez, je suis tombé en panne et j'ai eu la gentillesse de vous trouver pour m'aider à pousser jusqu'ici. Voilà. C'est comme les vélos libres alors, c'est comme les vélos libres. Pas du tout, parce que ça c'est une voiture qui m'appartient, c'est pas une location. Donc c'est pas une voiture partagée. C'est... Mais maintenant, vous faites les plaies, c'est comme de l'essence alors. C'est ça. Expliquez-nous. Là, comment ça se passe pour là, faire les plaies? Je vais charger. Voyez, venez je vais ici, regardez, oui. Regardez. Ouais. Je vais charger ma voiture. C'est comme les portables. J'en ai pour 3h30 pour avoir un plein. Un plein fait. Voilà. Mais là, 100%, 100%. 100%, exactement. Et vous allez rouler combien de temps avec ça, avec les 100%? 70 km. 70 km jusqu'au Congo? On peut aller au Congo? Alors, on peut aller au Congo, mais il faut faire plusieurs recharges. Hein. Merci beaucoup, voilà. Dieu vous bénisse. Je vous attends pour prendre un café là-bas, parce que je suis là-bas. Je sais d'accord. Ça. Merci beaucoup, voiture électrique, je vous adore.